pas appeler la police. Je me suis pas fait voler grand-chose, là. Un magnétoscope puis des disques. Le bordel donne l'impression que c'est pire. Les no-merdes sont partis avec le fusil de chasse. Justement. Comment dire ça aux policiers? Oh, je gardais une arme sans permis, monsieur l'agent. Franchement. Ça pourrait s'expliquer. Je sais pas, tu vis dans un quartier dangereux, t'as l'air demander un. Tu viens d'une famille de chasseurs. Puis je me serais acheté une vieille arme comme ça. Elena, si jamais un jeune se fait blesser, ou pire, en tue un autre avec ça, là, tu te le pardonneras jamais. Louis, je t'ai appelé toi parce que je voulais pas alarmer mes frères. T'es encore plus strict que d'autres. Mais cette idée de l'avoir rapporté aussi... Je voulais savoir autant que moi si c'était celui de Laurent. Pas à n'importe quel prix. Et comment j'aurais pu savoir que je me ferais cambrioler? Tu vis pas dans le quartier le plus sûr de la ville. Merci. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Non. Mais depuis que j'ai un bon loquet puis une chaîne de sécurité, oui. T'as jamais pensé déménager dans un quartier moins rough? T'as sûrement les moyens. C'est pas une question de moyens, c'est une question de principe. Moi, je veux vivre parmi le vrai monde, pas celui de ma mère. À 20 ans, je peux comprendre qu'on ait besoin de se rebeller contre ses parents, là, mais à 40? Je te remercie d'être venu, Louis, là, mais il faudrait vraiment que je reparte. J'ai un corps à faire à la résidence. Ça va? Mal au cœur. Peut-être que ça te stresse de partir toute seule? Quand t'es allée à New York, là, t'avais tes amis? Ça me tente d'aller en Italie, là, c'est un super beau cadeau. Mais je commençais juste à être bien avec Diego, tu sais. Ben, tu vas voir, là, une semaine, ça sera pas long. Bon, ce t-shirt-là, on l'amène-tu ou on l'amène pas? Napoléon a oublié son Game Boy. Ben, il aurait pu venir le chercher lui-même. Et je voulais en profiter pour te parler de... Ah non, c'est correct. Hein? Je vais m'en occuper du divorce là avec le restaurant, puis Antonin... Entre? Je resterai pas longtemps. Non, c'est correct. Tu passes la soirée tout seul? Oui, oui, ça me fait du bien de relaxer. C'est stressant d'organiser cette fin de semaine-là. Mais ça se passe plutôt bien. Ah ouais. Ah oui. Tout le monde veut s'en occuper, là, mais Mané, son petit, m'a dit que ça ralentirait, puis là, il aurait vraiment besoin de moi. Antonin a toujours eu besoin de toi, sauf qu'il ne laissait pas paraître. L'important, c'est que tu sois là maintenant, qu'il soit traité comme il faut. On ne savait pas qu'il était bipolaire, hein? On connaît pas ça. Peux-tu rester un peu? J'ai du vin pour deux. Non, François m'attend. J'aimerais mieux qu'on se voit en lieu neutre pour commencer. Pourquoi? Si tu penses te remarier, c'est parce que t'as mis une croix sur nous deux? Oui. Mais ici, ça me rappelle trop de choses. Après la colère, la peine, il y a la nostalgie. Tu m'en veux plus? C'est sûrement pour ça que je suis capable d'être en amour à nouveau. Toi, est-ce que tu revois Valérie? Non. On est trop différents pour être vraiment ensemble. Je suis désolée. C'est toi qui dis ça. Parce que ça veut dire que ton histoire avec elle a tout brisé pour rien.